Je sais pas si je peux.
Bon ami.
j'aime faire, là, je peux pas arrêter de le raconter ici. Moi, une affaire que j'aime faire avant de m'endormir, oh, t'as des petits cheveux, c'est de la tête. Une affaire que j'aime faire avant de m'endormir, là, c'est de me faire des affirmations positives. Cause-moi, ça roule aussi dans ma tête. Je suis comme deux. Ça se met à rouler. Là, je pense à comme une fois en cinquième année, quand j'ai dit à une fille que, genre, je trouvais pas ses pantalons beaux, plus je me sens mal, quoi. Je suis comme non, c'était pas féministe, ça, c'était pas féministe. Ok, elle a son pop style. Tu sais pas c'est quoi sa vie. Anyway, je me sens mal à propos de tes affaires, là. Ou comme si j'ai fait un commentaire à quelqu'un, ou si j'ai taquiné quelqu'un un petit peu trop, whatever. Fait que, parce que moi, je suis taquinée. Je me fais des affirmations, ça fait que je me dis t'es belle. Je me dis des affaires que j'ai besoin d'entendre. Si j'ai eu une mauvaise journée corporelle, je me dis t'es belle. T'es belle. T'sais, toutes les affaires que tu as, c'est comme t'en ressembles à genre une peinture renaissance. Tu comprends, là, comme si ton petit poulet, là, ça, là, il y a plein des peintures célèbres, où ce que le gars était comme ça, c'est la chose la plus chaude que j'ai jamais vue. Fait que, tu sais, il y en a pour tous les goûts, pis de toute façon. Affaires que j'aime entendre, c'est comme t'as le droit d'être pardonné pour des affaires de fait, t'as le droit. Dernièrement, une de mes grosses affaires, c'est comme je vois jamais ça. C'est pas ta responsabilité, les émotions des autres. Les émotions des autres, c'est pas ta responsabilité. Les émotions des autres, oh, ça me fait déjà du bien, tu vois, je suis en train de relaxer. Là, les émotions des autres. Mauvaise humeur des autres, c'est pas toujours ta faute. Les mauvaises humeurs des autres, c'est pas de ta faute. Puis ça, c'est vrai. Si quelqu'un y avait de quoi dire, il viendrait de le dire. Ses émotions, c'est sa responsabilité. Toi, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Puis de toute façon, la ta beauté, la chose la plus intéressante, t'as pas beaucoup de non, t'es beaucoup plus intéressante que ça, t'es une bonne personne, tu fais des belles efforts, puis les émotions des autres, c'est pas ta responsabilité, ils sont capables de gérer leurs émotions, puis ils ont de quoi être ça, c'est leur responsabilité de venir te le dire. À partir de là, tu te responsabilises comme tu peux, tu fais une très bonne job, je trouve, moi, tu fais très bien. Déjà ton mieux, t'as pas besoin de dépenser de l'énergie sur t'inquiéter à propos de ce que les autres pensent. S'ils ont quelque chose à te partager, c'est leur responsabilité de venir le partager. Puis si t'as de quoi qui te dérange, t'es capable de le dire aussi, t'as le droit. T'as le droit de partager que quelque chose te dérange. Ça, c'est ta responsabilité.
ça fait pas de toi une mauvaise personne. T'es pas obligé d'endurer des affaires qui te font pas du bien. Même pas ta job, non. Je sais que tu penses que t'es obligé de travailler où tu travailles, mais moi je te dis que non. Si tout le monde lâchait leur job, là, quand ça allait pas bien, je pense que les conditions augmenteraient parce que faut pas travailler dans un environnement où c'était vraiment pas bien. Je sais que le système capitaliste fait que c'est très compliqué parce qu'on a besoin d'argent, là, mais tu le mérites pas. Tu mérites pas d'être stressé avant d'être non. Je sais que t'as beaucoup d'affaires à faire demain. Mais t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Puis je sais que tu vas trouver des moyens de t'amuser et d'être créative à ta job. Je suis fière de toi. Ça, tu peux te le dire à toi-même aussi. Hein? Je suis fière de moi-même. J'ai beaucoup progressé. J'ai beaucoup avancé. J'évolue puis je fais de mon mieux. Mais tu as le droit à l'erreur pareil, là. L'erreur, c'est très humain. C'est vrai. Oui, on apprend bien. On peut se pardonner. On a le droit de se pardonner puis de passer à autre chose. Yoga là, qu'on aime là aussi. Oh my gosh. J'ai un texto. Ok. Ça c'est le bruit le plus stressant que j'ai jamais entendu. Ok, là j'ai baisé le volume. C'est parce que là je voulais pas enlever le volume parce que je peux pas manquer le réveil matin, tu comprends? Ok. On prend un respire comme au yoga, comme qu'on aime. Inspiration, puis là on tient pour 4, ok? Et là on expire pendant 4.